Ok, bon, cette fois-ci j'ai mon micro d'allumé, c'est bon, on peut commencer. Va commencer par tous les petits trucs du jour, hein, comme d'habitude. Faire des résines condensées. Ah, j'ai oublié d'aller récupérer. Ensuite, la sérénité hier, est-ce qu'ils vont avoir enfin débloqué les modifications 2 ans? Hello Cosmo! Comment ça va? Est-ce mes cultures elles sont terminées? Eh ben ça va bien ici. J'étais en train de me demander s'ils avaient remis les modifications de la sérénité hier accessible ou pas. On va découvrir ça. Toi aussi, ça va? T'as passé une bonne semaine? Bah quoi de neuf? Écoute, aujourd'hui j'étais en congé, c'était grave cool. C'est fou, hein, comment ça passe vite la journée à rien faire. Bon, aussi j'ai fait des petits trucs quoi, mais franchement, j'ai pas fait grand chose. Je m'étais dit que je streamerais aujourd'hui. Résultat, j'ai pas streamé. La journée est passée trop vite. Mais c'était cool. Le petit week-end de 3 jours là, franchement, on aime. Nickel Chrome pour toi aussi, pas bah, cool. Alors, est-ce que quelqu'un veut me parler? Non. Est-ce qu'on peut modifier la sérénité hier? Toujours pas. C'est tombé pile au moment. C'est tombé exactement le même jour que quand Amber est passée à 10 en affinité. Et résultat, depuis, je ne peux pas modifier. Je peux pas la changer. Je pense que ça fait une semaine là que c'est bloqué le truc. Ah ouais, les jours de congé, ouais, ça passe vraiment vite. Ça, j'avais vu les vacances. Pour vraiment que tu aies le temps de bien te poser, d'en profiter et tout, c'était 3 semaines. Mais il faut pouvoir poser 3 semaines. Ça, c'est autre chose. Ah, je les ai pas cette semaine. Bon, faudrait que je joue avec Lyric. On se partage les gyrocristaux. Franchement. Bon, après, là, j'ai une semaine. Dans une semaine. Donc, ça va être cool aussi. Se reposer un peu, se coucher à 3 h ou 4 h du mat, se lever à 11. C'est ça qu'on aime. Hein. Ouais, faut pouvoir les poser. Bah déjà, faut les avoir. Et puis, il faut pouvoir au niveau du boulot. Ça, c'est pas forcément possible. Donc, bon. Déjà, là, je vais poser une semaine. Cet été, je vais poser 2 semaines en juillet, je pense. Une semaine en août, normalement. Ça sera déjà pas mal. J'avoue que je vais. Parce que là, je suis en CDD, mon contrat est fini fin août. J'espère que mon contrat suivant commencera pas tout juste après, histoire que j'ai un peu de vrai repos entre les deux. Ça serait vraiment bien. Parce que ça se paraît quand tu commences un nouveau boulot. Tu vois, c'est stressant, c'est fatigant. Pourquoi j'ai eu un doux? C'était quoi ce bruit? Ben, je sais pas. Donc ouais, j'espère avoir le temps de me poser un peu avant.
J'ai encore 2 semaines de boulot avec mon école. Après une semaine de congé, je vais. Ouh, cool! 2 semaines de boulot avec ton école. Ça se passe bien du coup, ton école d'ailleurs? Ah, mais oui, j'avais oublié. Il faut pas faire ça avec Gainu. Faut faire ça. Parce que le problème, c'est qu'elle touche toutes les cibles avec ses flèches. L'autre fois, ça m'avait créé des erreurs, du coup. Ouais, j'ai eu du bol, ça m'a pas posé problème. Mais dans le doute, je préfère continuer comme. J'ai toujours un peu de mal avec l'arc. Bon bah cool si ça te plaît. J'aime bien, il applaudit. Du coup, t'as que école, t'as pas d'entreprise, tu vas avoir un stage, je suppose. Que école, d'accord. Et du coup, avec ta copine, vous allez juste chiller tranquille ou vous partez un petit peu en amoureux? C'est où? Ah, j'étais pas du bon côté, évidemment. Première année, je crois pas qu'il y ait stage, mais autres, oui. D'accord, ok. Oui, ce qui est pas illogique, ça vous laisse quand même le temps de bah, d'apprendre un petit peu avant d'attaquer un stage. Oula. J'ai failli tomber. Ah, en alternance. D'accord. Tu penses la faire en alternance ou pas? Parce que ça, c'est vrai qu'au niveau. Comment on dit merde, pour apprendre, en tout cas, j'ai plus le terme. C'est vrai que être en entreprise, c'est hyper formateur. J'ai fait de l'alternance. Je me suis rendu compte que j'apprenais plus sur place qu'en cours. Parce que c'est vrai qu'en cours, ça reste beaucoup de la théorie, t'as un peu de la pratique, mais quand t'es au boulot, c'est autre chose. Mais c'est bien qu'ils proposent en tout cas comme ça, selon effectivement ce que chacun préfère. Ah, des spectres. C'est con, ils vont rien me lâcher vu que c'est un défi. Pourtant, j'ai besoin des spectres pour Kokomi, mais j'ai tellement la flemme d'aller les faire. Mais bon, je vais pas avoir le choix à force. C'est bon ou ma flèche elle servir à rien là? Ah bah bien. On va faire. Je me complique la vie, je crois. Ah, je l'avais même pas vu lui. Oh là là. Elle est là. Le petit dernier. C'est bon? Ok. Elle a
habite près de Bordeaux, j'espère qu'il fera un beau temps, mais non, on va juste chier de toute façon. D'accord. Parce que toi, t'habites où, du coup? Parce que là, tu me dis ça, genre elle habite pas à côté de toi, j'ai l'impression. Tu penses à faire en alternance? Ok. Bah après, de toute façon, t'as le temps de voir venir pour te décider en plus. Ah bah tiens, il y a des spectres. Ça m'enchante pas, mais on va aller les faire, vu qu'ils sont là. Ouais, c'est pas ouf, là, il gagne you. À Rouen. Ah, ok. D'accord, oui, vous habitez pas tout à fait l'un à côté de l'autre. Tu veux pas venir, toi, là? Ok, bah qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ah si, c'est pas mal quand même. Bah tant mieux. Tant mieux si vous arrivez quand même à vous voir et que ça se passe bien comme ça. Non, pas elle. Il y a d'autres spectres? Ah oh, non, 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 c'est bon, madame. Je suis pas là pour les problèmes. On va aller faire la suite. Du coup, vous vous êtes rencontrés comment, si c'est pas indiscret? Je suis curieuse de savoir. Enfin, remarque que vous habitiez peut-être l'un à côté de l'autre avant, et puis il y en a un de vous deux qui a bougé. C'est pas impossible aussi. Oh, il a volé lui. Il y en a d'autres? Ah, il est pas mort. Je les aime tellement pas. Ah bah dis. Bon, je sais que je perds du temps à faire avec Ganyu, hein, mais c'est juste pour m'entraîner avec elle, parce que l'arc, je suis vraiment pas très dégourdie. Donc les petites missions quotidiennes comme ça me permet de m'entraîner. Il a baissé la tête. On va éviter d'échouer quand même. Chercher ce truc-là. Ouais. Ah, yes! Ouais, au moins comme ça, la distance se sera réglée. Ok, sur un jeu. Bah nice. Je trouve ça toujours cool. Alors, les rencontres autant amicales hein, que amoureuses sur les jeux vidéo ou en ligne. Hein. Avec Eric, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés en ligne sur Twitter. Je trouve ça toujours ouf. Mais c'est un des aspects hyper cool du monde en ligne. Pouvoir rencontrer des gens que t'aurais peut-être pas pu rencontrer autrement. On s'est retrouvés comme ça. Bah écoute, parfait. Et du coup, si vous prenez un appart, ça va être à Bordeaux, à Rouen, entre les deux, peut-être.
Chercher les récompenses. Ouais, sur Twitter. Vraiment par hasard pour le coup. Je l'ai suivi parce que je suis tombée sur quelqu'un qui a retweeté un de ses tweets. Il m'a suivi. On a échangé une fois ou deux, vite fait. Et puis une fois, en fait, on est parti sur un sujet à la con. Et puis on a continué en DM. Et puis voilà. Sur Bordeaux. Ok, c'est sympa Bordeaux, donc. Bon. Est-ce qu'on ferait pas le petit vœu bleu? Il fait meilleur qu'à Rouen. Je veux bien te croire. Effectivement, je veux bien te croire. Tu vas gagner en luminosité et tout. Ça va être sympa. Ça va être cool. Bon, bah, le petit vœu bleu, hein. Sans grande surprise de toute manière. Je ne m'attendais pas à mieux. Je me suis fait une raison. Là en plus j'ai regardé hier. Je suis à 64 sur la bannière événement et à 80 sur la bannière permanente. Ah non, c'est pas Lyric. On a un ami à la maison. Du coup, il est en train de. Bah là, il joue à FIFA. Non, non, Lyric, il est en train de faire un raid sur Destiny là. Non, non, du coup j'ai un guest. Bah, c'est Harrisman, en fait. Voilà. Vu que tu t'as déjà vu passer. Alors j'ai commencé les artefacts de Kokomi. L'enfer. Le jeu il veut pas me donner. Voilà. Là j'ai fait hein, quand même quelques donjons déjà. Je crois que j'en ai fait une bonne 10-12. Et j'en ai aucun qui soit adapté à ce qu'il faut sur Kokomi. Je désespère pas, hein. Il manque 10 points. Bon, de toute façon, c'est pas pour passer au niveau 20 aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça faudrait que je les fasse, mais j'ai tellement la flemme. Bon, il y aura ça quand même. Et puis, bah, ça, l'idée, donc là aujourd'hui, c'est de faire la. C'est de faire ça. De faire Hayato pour débloquer ça. Parce que malheureusement, ils ont bloqué Teinte du Jardin Violet. Du coup, tu as bien un étoile sur la bannière perma bientôt. Alors, un 4 ou un 5 étoiles? Ah, un 5. Oui, du coup, bah, je suis à 80 sur la perma. Donc oui, logiquement, là, j'espère très bientôt un 5 étoiles. Une Kiki ou une Keshing, ça me va. Mona, ça me botterait pas plus que ça. J'aimerais vraiment une Kiki parce que je vois Lyric qui la joue, elle est vraiment cool comme heal. Donc j'espère. Et puis bah sur l'événement, je suis à 63 ou 64 là, vu que je viens de, ouais, 64, vu que je viens de faire un vœu. Je sais pas si ça met pas trop de fumée à la caméra, tiens. Bon, ça va. Je me dis, au pire, j'aurai une pitié de ouf sur la prochaine bannière où je looterai. Enfin, où j'essaierai de looter. Au pire. Tant pis, j'aurai pas Hayato, mais j'aurai une grosse pitié. Bon, bah, let's go, hein. Let's go faire Hayato. Alors a priori il y a un
pas mal de blabla. Mais bon. Let's go faire Ayato. C'est ouf, c'est là. J'avoue, le gouffre, je l'ai pas commencé non plus. Je suis juste allée libérer la carte pour les photos, pour l'event de photos, vu que c'était, il y en avait deux dans le gouffre. Enfin, ça va, c'était en surface du gouffre, donc ça n'a pas été trop chiant. Donc j'ai juste fait ça. Et d'ailleurs, là, je suis. Je sais pas si tu avais vu le truc passer. Genshin ont lancé un petit partenariat avec les streams sur Twitch. Donc l'idée, c'est que si tu streams un certain temps, plus tu streams, plus t'as de primo. Et puis aussi des quêtes. Donc celle que je dois débloquer, pas celle d'Ayato, mais l'autre petit truc là. Du coup, ça fait des primos. Si t'as des follow en plus aussi, ça fait des primos. Voilà. Donc du coup, je me suis inscrite, j'ai reçu le mail il y a 2 jours. Donc là, mon stream compte pour avoir des primos en plus. Trop de blabla. Ils aiment trop ça. Moi, je veux plus d'events, enfin plus de missions quêtes sans blabla. Ou pas trop, juste un peu. Oh, le petit toutou. Ok, le petit toutou. Bien. Ok. Ok. Ouais, il y a tout un truc. Attends, je vais te donner 2-3 détails en plus. C'est pas le bon onglet. J'étais pas sûre. Alors, entre 5 et 10 heures, t'as 160 primo, 10 et 20, c'est 320, et plus de 20 heures, c'est 640. Vu que moi j'ai moins de 500 followers, si j'ai 10% d'augmentation, j'ai 20 primo, 30% 60, 50% 80. Bon, ça, je sais que potentiellement 10% c'est faisable, parce que ça va jusqu'au 26 avril. Et après, t'as tous les défis. Lyrisme désastre, théâtre mécanique, choc des lames solitaires, la cour fleurie, gouffre. Voilà, t'as plein de trucs pour obtenir 20 primo à chaque fois. Donc il faudrait aussi que je fasse le gouffre. Mais voilà. Donc c'est pas énorme comme récompense. Mais je me dis, de toute façon, je stream Genshin. Donc si ça peut me rapporter quelques primo, moi je dis pourquoi pas. T'as déjà tout fait, toi? Ayato, le gouffre. Alors non, ça marche pas. Justement, ça fait partie des trucs où ils disent bien qu'ils vérifieront en fait les contenus des streams pour vérifier que justement quelqu'un a pas lancé juste un stream à vide. Pareil. Tu sais, parce que là, c'est rangé dans la catégorie Genshin Impact sur Twitch. Donc pareil, je peux pas streamer Pokémon et me mettre dans la catégorie Genshin pour faire genre. Faut que ce soit quand même assez carré et que tu puisses prouver les trucs. Donc en fait, il te faut les vidéos pour justifier de ce que tu as fait. Parce que tu penses bien. Par contre, c'était un truc où il fallait s'inscrire, donc en plus, c'est pas ouvert à tout le monde. C'était ouvert aux 2000 premiers inscrits. Ok, cool.
J'ai déjà fait Hayato, j'ai débloqué seulement la partie ouverte du gouffre et là je dois descendre dans le gouffre pour débloquer. Ouais. Dis pas comment dire, la zone en dessous. C'est pas une zone, c'est des couches et des couches de zones. Oh! J'ai eu un petit aperçu. Par contre, l'histoire, elle a l'air grave cool dans le gouffre. J'ai eu deux, trois petits aperçus. Franchement, ça a l'air bien. Par contre, ouais, tu t'enfonces de ouf dedans. Il y a une hauteur. Et après, tu as beaucoup de petites choses aussi à faire. Tu as plein de petites missions en plus dans le gouffre. Ça a l'air assez complet. Tu as beaucoup de coffres. Ça, c'est bien. Tu as comme ça pas mal de récompenses, des primos et tout. Donc, le gouffre a l'air cool. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est cool. Ouais, c'est vraiment des... Oh là. Ça a l'air ultra grand. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand tu vois la zone sur la carte, ça, c'est assez petit, hein. Ça porte bien son nom. C'est un gouffre. Ouais. Il n'a pas l'air très heureux. Oh, Paimon, elle s'en fout, hein. Ok, donc on va carrément leur demander si ils comptent se marier. D'accord. J'ai un peu l'impression de me taper l'incruste en faisant ça, mais bon, soit. En train de me demander où était l'entrée, je me souvenais plus du tout. J'y suis pas venue très souvent ici. Ah, Thomas. Je l'aime bien, Thomas. C'est un personnage cool. Bonjour monsieur. Ah ouais, paie-moi pour et perds ses moyens là. Oh dis donc. Oh bah dis donc. Ah oui, Hayato c'est un cran au-dessus.
Bah, bégaye, Thomas. Parce qu'elle a une liste de gens à pas offenser, elle. Ok. Little guest. Grave. Ok. Ah bah de toute façon on est là pour ça mon gars. Je crois que même si t'avais pas demandé, on t'aurait suivi. Il y a des chances, hein. Oui, je vais rajouter d'autres trucs avec les points de chaîne, effectivement. Je me suis pas encore penchée sur le sujet, mais oui, je veux rajouter des emotes. Il faut juste que je vois si j'arrive à en faire moi-même. Parce que en pixel art, peut-être que je peux arriver à faire quelque chose. Parce que, bah, par exemple, le fond là que tu vois derrière le jeu, c'est moi qui l'ai fait. Ah, je le savais que ça ne l'avait pas rechargé. Il va falloir que j'aille chercher mon cap pour la manette. Donc, ouais, du coup, je vais rajouter notamment des emotes. Et je voudrais rajouter aussi des petits trucs là. Tu sais, en bas, là, il y a des petites bulles qu'on gagne justement quand on va sur la chaîne, quand on parle et tout. Je vais rajouter des trucs. Mais en fait, ça, j'ai pas trouvé où c'était dans les menus. Donc c'est prévu. Je pense que je vais me pencher vraiment sur le sujet pendant mes vacances. Mais oui, c'est vrai que. Ouf, mon fauteuil est trop lourd. L'idée, c'est de rajouter des trucs. Je reviens tout de suite. Non. Pas l'USB-C, c'est bon. Yes, merci. Je peux remettre le truc derrière Non, pendant je que m'en j'y fais. fous, c'est pour la télé. Okay. Tu veux que je rééteigne par... Yes. C'est bon, j'ai le câble. Et Je l'ai les mis. batteries? Bah en fait, je l'ai mise à charger ce matin exprès avec mon casque. Sauf que ça s'allumait pas et je me suis dit c'est chelou, je pense que ça doit pas fonctionner. Mais comme j'arrivais pas à faire mieux, bah je me suis dit vas-y, je vais le tenter. Et ça n'a bien pas fonctionné. Donc je n'ai plus de manette. Le câble magique, oui. Puis cette fois-ci, j'avais pas de chat sur les genoux pour aller le chercher. Par contre, ça s'allume pas non plus. Me dis pas que ça va plus marcher du tout. Si, 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 c'est bien. La lumière, tout ça marche. Non, non, là je l'ai allumé parce que. Enfin là, c'est parce que c'est moi qui l'ai allumé. Mais en fait, normalement, quand elle est en charge, elle est jaune.
Et en fait, déjà tout à l'heure, quand je l'ai mise en charge, ça s'est pas allumé en jaune. Et là, ça se met pas en jaune. J'ai un peu peur qu'en fait, ça me lâche. Ça a lâché. Fais chier. Il manquerait plus que ça. Bon, bah, je vais bien voir si elle me relâche ou pas. Sinon, j'aviserai. Bon. Parce qu'en fait, elle a un petit souci au niveau de la connectique. Mais ça marchait jusque-là. Bon, bah je vais bien voir. C'est celle de Cyril, moi j'en ai pas. Non, bah écoute, je vais voir. Oh, il y a Cosmo qui est. Cosmo, toujours au rendez-vous. Et j'ai une deuxième personne a priori. J'arrive. Désolé, complètement zappé. Je suis dans le match. Ah, bon. T'étais bien sur FIFA. D'accord, ça marche. Alors. Commandant général en chef, toujours en service. Grave. Ah, je sais que je peux compter sur Cosmo. Fait, Thomas, il est pur. Il est gentil. Trop pur. Ah, tiens, il y a des trucs. Ah, bah, cool. Cool, des nouveaux bouquins. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va fouiller vite fait. J'ai des petits trucs à récupérer tant qu'on est là. Ça marche. Et la sortie, c'est par où? Je suis perdu. Là. En fait, j'avais pris ça pour un panneau, pas pour la porte. Le petit boulet. Ok. Le panneau porte. Bah oui, en plus, en soi, c'est un panneau, plus ou moins quand même. Mais c'est vrai que je pensais que c'était juste de la déco, quoi. J'aurais pu rester longtemps dans le truc. Ah, il y en a un autre qui bégaye. Cosmo, il joue à Genshin aussi. Qui? Cosmo. Oui, c'est un joueur aussi de Genshin. Je t'embête plus. Non, non, t'inquiète. Ça, j'aime bien, ça nous épargne un peu de dialogue. Mais il a l'air trop triste, Casse-Marie. Genre, il est jaloux. Oh, il va aller pleurer. Oh, le pauvre. Non. Oh, il me fait de la peine, le pauvre. Il est trop triste. Ah ouais, en fait, il espérait que ce soit pas vrai. Pauvre bête. T'es vache. Oula. Je me suis un peu enflammée. Bon, ça a l'air de tenir là, le câble. Mais c'est trop bizarre parce que normalement c'est censé être en jaune quand ça charge. Bon, du moment que la manette fonctionne, je prends. Oh, un autre panneau porte.
C'est lui, il paye. Pardon me, I picked perfectly all right. It's a joyous occasion. Lighthearted is exactly how things should be. Be delighted. But I am curious to know, what's your honest opinion? Of course, where there is true love, no doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, indeed I am. So please be confident. When your mind is made up, nevertheless, there is just space. Go ahead. You've been working hard to bring the Tenryo Commission online. This is positive. Beaucoup de blabla pour un mariage quand même. Je rapproche mon ciel. Ok, c'est qui a fait sa demande. Oh là, c'est chelou. C'est pas elle qui a écrit la lettre. Mais ouais, trop de blabla. Non mais en plus, pour un mariage, je sais pas. Bon là, a priori, il y a quelque chose qui se trame. Ok. Est-ce que c'est pas Ayato qui a fait la lettre? C'est un serment. Ok. T'as un même paiement, elle trouve que ça parle trop. Oh bah sympa Pémon. Bon, c'est chelou le truc de la lettre. Oui, un mystère à résoudre. Tchon, tchon, tchon. Firstly, you have
Faudrait pas que ça gâche tout. Un résultat est très souvent la somme de plusieurs causes réunies. Oui, en effet. Coucou Lyrique. T'as déjà fini ton raid? Ah oui, remarque, t'as dit j'entends rien, alors. Bien sûr qu'on est perspicace. Bon, quand est-ce qu'on se bat là? Qui faut taper Ah tiens, j'ai une mission. Une mission là. Est-ce qu'on n'arrive pas à la récupérer vu qu'on est là? C'était par où? Ouais, c'était en bas. Ouais, non, finalement non. On prend ça. Ça manque un peu d'action cette histoire. Hein. Bon, en même temps, c'est un mariage, alors. Je me doute qu'il faut pas trop s'en prendre aux gens. Y a quasiment pas de bagarre, mais il y a des trucs à faire quand même à un moment ou comment ça se passe? Non, parce que si c'est que du dialogue, voilà quoi. J'ai le droit de lire. Flemme un peu. Un peu flemme. Avec les domestiques, ça va bien. Ah bah voilà. C'est bien parce qu'il faut la faire, hein, que je la fais. Hein. Plus j'ai l'impression d'être un pigeon là, aller à droite à gauche là. Il a repéré un étal sur la route. Ah, ben oui, on l'avait vu. Ben, il a changé de place. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe le voir, on ramène du gratin. On est sympa quand même.
Cool. Ooh. Ça fait un peu comme les cocktails qu'on a fait à la taverne. Ah oui, ça en plus dans les dans du lait ou du thé, effectivement, ça peut être cool. Moi franchement, les melons de lavande. Ouais, melons de lavande. C'est même pas moi qui prépare. Je suis grave triste. On dirait qu'elle va vomir, la pauvre. Ah, surtout pour Paimon, on déconne pas avec le goût, hein. On déconne pas avec la bouffe aussi, hein. Putain, y a eu en fait une espèce de complot pour les pousser à se marier pour. En fait, c'est politique le truc. Et grave. Ah bah sympa. Ouais, donc genre on se promène et on parle aux gens. C'est quoi cette mission? En même temps, c'est vrai que les missions d'histoire, bon, t'as quand même beaucoup de blabla. Après, ma préf, c'est celle de Zongli. Il y avait un bon mix entre action et histoire, c'était parfait. Puis c'était hyper intéressant. Sympa la promenade. Bah ouais, un peu longue quand même la promenade. Moi, je veux bien faire une promenade, mais s'il y a un truc au bout quand même, hein. Commission of the servants of the shelter, and we should look out for it. In fact,
Ok. The letter was penned by your hand. Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. Who knows? Perhaps Sir Cujo is the one being coy. After all. I understand. But my position does matter. But now, Oh là là, c'est chiant. T'es libre? T'as le coup de queue là. Ah oui, il apparaît comme ça. Ok, super. C'est moi ou il est reparti son... Le mec là qui... Ok. Ah non, il est... Désolée, je baille, mais
C'est intéressant en soi, c'est mignon, mais. Oh là là. On veut de la bagarre. Oui. Ah, il va y avoir de la bagarre pour sauver Shinoju. Yes. Ça marche, Cosmo. Bah, à plus si tu repasses sur le stream tout à l'heure. Sinon, bah, à la prochaine. Peut-être que je restreamerai demain soir. Geek bien. De la bagarre. Enfin. Inspecter la grotte. Ah, mais oui, je m'en souviens de cette grotte. Je m'étais tapé contre des loups de faille. Ah non, me dis pas qu'il faut suivre un tanuki. Oh putain. Ah, il y a. Il est parti où? J'ai perdu le tanuki. Il est pas là. Merde. Ah, ça. Yes. C'était pas le tanuki. Ouais, sauf que la grotte, elle est pas immense, hein. Ah.
C'était pas tout à fait ça. Ah d'accord. Bon, en fait, j'avais pas besoin de... Pas besoin de faire ça. Bah ouais. Oui, il y en a un qui veut récupérer, qui veut monter en hiérarchie. Avec le crabe derrière. Ok. Ok.
Ok, ils ont l'air contents. Attends, je fais le pigeon voyageur. Our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really
I won't be spending any more time on this. In any case, we've made our move. This is not well then. Goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hirakichi Sato's best interests. Ok, c'est fini. Alors ça avance, par contre c'est passionnant. C'est beaucoup trop de blabla. D'accord, c'est la première partie de la quête qui est terminée. Pour la peine, je vais aller me chercher une petite madeleine et de l'eau. Tiens, je vais faire avancer de 2 jours. C'est pas bon signe. Elle est là. Ah, deux câbles. Il est 22h34. Ça marche. Bah, les trucs du jour, quoi. Hein? Tous les trucs du jour. C'est Genshin, hein, ça m'étonne pas trop. Bien, bien, défi FIFA. Tout d'un coup, tu vas faire initiation de FIFA. J'avais plus de monde en étant sur Animal Crossing. Parce qu'en fait, il y a moins de monde qui stream dessus et moins de monde qui regarde. Donc, du coup, t'as plus de chances d'avoir des gens. Ah, vous avez du monde sur Genshin? J'ai pas vu tant que ça. Si, sur Genshin, il y a des soirs où je suis montée quand même. Toi, 7-8. Mais sur Animal Crossing, je suis montée plus facilement, en fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le truc est chiant ce soir, alors... En plus, ça se prête pas trop à un stream, je trouve, quand il y a trop de blabla. Ah, non. C'est clair. Mais bon. Oh, là, t'es titulé. Oh là.
Soyons pas violents. Quoi? Je dois être violent, c'est qu'un c'est que violent. Je ne dirais pas ça d'un corps vie. Je me dirais, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi. Ah, je croyais marqué triplé, triplé noir. Marqué qu'un but face à l'Ipswich. Ah oui, marqué qu'un but face à l'Ipswich, face à. Someone
Mais en fait, je comprends pas trop parce que c'est, enfin là, ça concerne pas du tout Ayeto. Enfin, vraiment de loin, quoi. Moi, je m'attendais à quelque chose sur son histoire à lui pour un peu connaître le perso. Alors, ok, on voit un petit peu comment il se comporte, hein, mais. Je reste dessus avec le téléphone, tu puisses toujours avoir ton. Ok? Ça marche, merci. Ah, ben attends, tu le sales toujours? Oui. Avec l'abonnement de Prime que je t'ai mis dessus, t'as reçu combien? Ah, je sais pas du tout. Faut demander ça à Cyril, lui, il sait. Moi, je sais plus combien on prend, mais pas beaucoup. Je sais plus. Ah, c'est juste que la question que je me pose en fait. C'est combien en fin de compte d'abonnement réellement en montant? Ah, Comment ça bah, rapporte? l'abonnement, si tu le prends tu sais, de sans Prime, c'est 4,50, je crois. Ah oui. Et après, on touche un truc genre, je sais plus si c'est 20% ou 30. Faut redemander à Cyril, lui, lui il connaît. Faudra lui demander plus tard, ouais. Petite menace sous-jacente là. Now,
coup. Ok, la quête est terminée. Enfin. C'était vraiment pas ouf. Hein. Oh là là, c'était pas intéressant par rapport au personnage. C'était beaucoup de blabla. C'est... Oh là 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 là. Bon ben voilà. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comment ça, quête prérequis? C'est terminé. Rêve éphémère? C'est quoi rêve éphémère? C'est pas ça. Oh non! Parce que j'ai pas fini la quête de la Shogun. Bon, bah ce sera pas pour ce soir, hein, parce que là, point trop n'en faut, je vais aller faire mes donjons d'artefacts pour Kokomi. Ça va être suffisant.
ce sera pour le prochain stream. On va finir avec 4 donjons. On va essayer. Ok, et rentrer dans sa boîte en carton. On va essayer avec cette équipe. Je sais plus qui j'avais mis en équipe, parce qu'après j'ai fait le donjon avec une autre personne et du coup je sais. En plus, c'est un sac à PV celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Un def. Ça m'arrange pas des masses. Ouais, Ganyu là c'est trop compliqué parce qu'il bouge trop les. Je devrais prendre Yaimiko à la place. Comme ça j'aurai un électro de plus. Je vais changer sur le prochain tour. Je pense que je vais quand même garder Yanfei.
Ouf. Putain, le coup, je me suis pris. Ah, yes. C'était ça que je voulais. Ça servira toujours un peu. Des jardins. Allez, il s'est poussé. C'est de l'autre côté. Ouais, j'ai mis encore plus de temps. On va prendre Yaimiko. Ça aidera un petit peu, je pense. Oh! Ça c'est un. C'est pas un mauvais artefact celui-là. Bon, pas pour Kokomi, mais dans l'idée. Donc on enlève Gainu, on met Pardon, Yaimiko. Gamora, je t'ai pas vu. Pardon, ma choupinette. Oui, Elle était dans la couverture? elle était dans la couverture et je sais même pour la mettre là et je l'ai pas du tout vue. Oups. Désolé, ma coupe. Oh. C'est vrai qu'elle se met dans la couette en ce moment, donc Je suis comme il fait né, un là peu je suis plus frais. plus. C'est plus lourd. Ouais, écoute, ça arrive. Oh, mais elle n'a pas voulu. Elle a compris que je l'avais pas vue. Elle est partie se coucher ailleurs, du coup. Elle est partie. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'elle me fait chier, ce gamin? Alors, appliquer du feu. Always watching.
C'est moi, oui, c'est poussé quand j'ai lancé le truc. Mais non. Bon, tant pis pour le temps du donjon. Hein. J'ai même mis moins de temps en traînant. Donc, bah, avec Yeimiko, ça se passe carrément mieux. On va faire le dernier avec la même équipe, du coup. Ah, celui-là pour. Oula, pour Yemiko, il est. C'est la plume. Il est pas parfait, mais là pour l'instant c'est le mieux que j'ai. Donc je pense que pour elle, déjà ça va aller sur elle. Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a de l'eau. Je pense qu'on va refaire pareil. Par contre, niveau def. J'aimerais bien finir tous les petits trucs là. Merde, merde, non, non. Et un peu chiant ce donjon. Mais on y est. Alors.
Est-ce qu'on n'aurait pas récupéré enfin un artefact pour Kokomi? Ok. Alors, elle se soigne, puis on va regarder un petit peu les artefacts là pour elle. Alors, c'est pas ici, c'était dans la plume. C'est celui-là. Ensuite, ici, j'en ai pas eu de nouveau. Et là, j'en ai eu des nouveaux. Là, ouais, non, celui-là c'est vraiment genre en dernier recours, il est pas ouf du tout pour elle. Limite, celui-là est plus intéressant. Sur le sablier, il faut de la vie. J'en ai aucun. Ah mais non, je suis bête. C'est pas le bon truc. Non, en fait non, c'est pas bon. Bon ben voilà. Ouais, j'ai un artefact. Youpi. Alors, par contre, donc ça, effectivement, c'est bien terminé. Ok. Rêve éphémère. Oh là, franchement, ça, c'est trop de la carotte. Je suis pas très d'accord avec ce qui se passe. De bloquer le jeu puisque j'ai pas fini la quête. Ah tiens, je vais aller faire un petit peu de cuisine pour avant de partir. Bon, j'avais pas grand chose à faire et ah non, là il y a le muguet bleu. Celui-là, je le fais pas, c'est celui-là que je fais. J'évite de toucher au muguet bleu parce que si un jour j'en ai besoin, je préfère. Je préfère regarder mon stock du coup. Pour réanimer, c'est ces trucs-là. Ça c'est pareil pour les fleurs de cerisier, on va pas y toucher. J'avoue, j'utilise jamais. Enfin, j'utilise plus du tout les. Les trucs pour renforcer les personnages. Alors que pourtant c'est intéressant, mais j'y pense pas. Bon ben voilà, c'est tout pour ce soir, j'aurais fait une quête.
Donc du coup, bah, prochain stream, la quête sur la Shogun. Je suis joie. J'espère que la quête sur Yaimiko va pas aussi bloquer ça. Mais bon, on fera ce qu'il faut, hein. Allez. On s'arrête là. Ah bah non, je me suis trompé de bouton. C'était ça que je voulais faire. Quand tu veux. Voilà. Allez, bonne soirée.